Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un beau cours de karaté. On va y aller plus programme apprenti, évolution, même CCN, même parent-enfant. Tout le monde, on peut faire le cours. Ça va être un beau cours. On va bien s'amuser. Tu vas voir. On va passer à travers plein de techniques et plein d'exercices. Donc, on va bien s'amuser ensemble. On commence avec le salut position, comme ça ici, une main fermée, l'autre main par-dessus. Et on est prêt à commencer. Très simple, petite mise en train. On commence. On court sur place. Très simple. On commence doucement. J'espère que ça va bien à la maison. On a beaucoup de monde qui regarde nos vidéos. On est super contents. Là, je sais pas, aujourd'hui, on est au siège social à Sainte-Rose. On va faire bouger un peu. On commence avec les jabs directs. On allonge tranquillement les bras. On allonge. On allonge. On saute maintenant les deux pieds collés, un peu comme si on faisait de la corde à sauter. Donc, et tu peux même mettre talon à l'avant. Donc, on y va avec corde à sauter. On y va comme ça pendant un bon 20 secondes. Prends le temps de bien respirer. Il va faire chaud un peu. Là, pour une quinzaine de minutes, on fait aller les bras un peu plus rapidement. Et maintenant, on va faire les doubles tours. Donc, on saute, double tour. On y va pour 5, 4, 3, 2, 1. Et stop. On relaxe, on ouvre grand les jambes. Je vais fléchir les genoux. Je descends très bas. Je pousse avec mes coudes, très bas comme ça. Je vais aller doucement d'un côté, doucement de l'autre. Un côté, l'autre côté. Je dépose les mains à l'avant. J'allonge les jambes. On fait comme un jumping jack, sauf que cette fois-ci, on garde le corps tendu, on ouvre grand et on ferme les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On ramène les pieds et on remonte lentement. Super. Maintenant, mon pied va pointer vers le plafond et mon talon va être au sol. Ici. 5 secondes de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va balancer un côté, l'autre côté. 3, 2, 1. Super, on remonte tranquillement. On relaxe une jambe, on relaxe l'autre jambe. Maintenant, je vais prendre mon genou, je vais juste faire une rotation. Un côté, l'autre côté, on y va 5 de chaque côté. Tout le monde est prêt? Oui, si, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super position. Position combat. Ha! Tu commences avec la garde. Je te rappelle qu'on dit position combat. Tu places les deux mains hautes et tu fais le kiai. Hey, à très fort, on essaie en nous faisant ensemble. Position. Position combat. Ha! On a les mains hautes. Très bien. On commence une petite technique avec nos mains. On fait le jab. Ma main qui est à l'avant. Je tourne mes hanches. Le direct. Et je reviens avec ma main qui est à l'avant. Coude hauteur de mon épaule. Boom! Le crochet. Donc ça fait jab. Direct. Suivi du crochet. Et on le fait fort ou très fort? Très fort, exact. On y va ensemble. 1, jab, direct, crochet. 2, jab, direct, crochet. 3, jab, direct, crochet. 4, 5. Essaye d'être encore plus vite que moi. 6, 7 et 8. Tu mets le kiai sur le dernier crochet. Ah, très fort. 8. Ha! Ouf! Position. Hey, on peut s'applaudir. Ça va très, très bien. Position. Position combat. Ha! J'ai le goût de te montrer une de mes techniques les plus rapides. J'espère que tu es prêt. Ça va être seulement le jab. Donc, ma main qui est à l'avant, je lance mon jab. Prépare-toi. Regarde bien la vitesse. Je te le refais une autre fois. Tellement rapide que l'œil ne peut pas voir la vitesse de mon mouvement. Je vais ralentir mon jab seulement pour toi. On a la main haute. Donc, essaie d'être plus vite que M. Martin sur le jab. Prépare-toi. Juste notre main qui est à l'avant, le plus vite possible. On y va. 1, 2, 3. Ah, t'as été plus vite que moi sur celui-là. 4, 5, 6, 7 et 8. Ah, félicitations. J'ai vu que tu m'as battu sur plusieurs. On peut s'applaudir. Beau travail. Position. Position d'autodéfense. Stop! Des fois, dans ces temps de crise, ça peut arriver des fois, hein?
qu'on vive un peu de colère. Donc, tu te rappelles du contrôle de la colère? On va le faire ensemble. Stop! Je suis trop fâché pour te parler. Je vais aller me calmer. Et est-ce qu'il y en a qui se rappellent qu'est-ce qu'on doit faire pour se calmer? Un bon truc? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Oui, exact. Respirer. Donc, tu peux prendre aussi, imagine ton ventre, c'est comme un ballon. On le gonfle et on le repousse. Et on vide comme ça. Super. Parlant de ballon, j'ai un petit exercice pour toi qu'on va faire. Regarde bien. On s'installe sur nos mains et tu descends sur ton ventre. Imagine qu'il y a un ballon en dessous de ton ventre qui va se gonfler. On y va ensemble. Le ballon se gonfle. Et là, tout d'un coup, il se dégonfle tranquillement. Et on descend en bas. Une deuxième fois, le ballon se gonfle. Wow! 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 Oh là, il gonfle! Il gonfle un petit peu trop. Oh, il redégonfle. Jusqu'en bas. Une troisième fois. Oh, viens donc toucher à ton épaule. L'autre épaule. Une épaule. L'autre épaule. Ramène les pieds. Et on se relève. Ouh, tape deux fois dans les mains. Beau travail. Ça va très, très bien, la gang. Position. Position combat. Ha! Avec tes mains hautes, ta jambe qui est à l'avant, on appelle ça le coup de pied côté. C'est facile, je suis de côté. Mon corps est de côté, mon pied, touche. Et de côté, je pousse avec le talon, avec le talon exactement. Commence avec les mains hautes. On va en faire 5 de chaque côté. Est-ce que tu es prêt, oui, monsieur? Oui, monsieur, excellent, on y va ensemble. 1, coup de pied côté. 2, bon. 3, 4 et 5. Prépare-toi pour le switch. Quand je dis switch, on change les jambes et on fait le kiai du karaté. Switch! Ha! Même chose de ce côté-là, ta jambe qui est à l'avant, tu pousses avec le talon le plus haut, le plus vite et le plus fort. Monte tes muscles. Je vais voir tes muscles de l'autre côté. Yeah! Grande les mains hautes, pousse avec ton talon. On y va. 1. Coup de pied côté. 2. Bon. 3. Bon. 4. Bon. Et tu mets le kiai. 5. Ha! Ici, position. Ouh. Position d'écoute. Quand je dis contrôle, tu t'assois, jambes croisées, mais sur les genoux, en position contrôle. Contrôle! Tu t'assois, jambes croisées, mains sur les genoux. Maintenant, tout à l'heure, je t'ai parlé du contrôle de la colère. Ça se peut qu'à la maison, des fois, on vive quelques petites tensions dans ces moments de crise. Une chose que je te suggère, c'est prends le temps d'aller dans ta chambre ou dans un autre endroit si tu es très fâché pour prendre le temps de calmer ton volcan, puis respirer. Respirer, puis tu vas voir, ça va faire du bien. Puis, prendre le temps de dire les choses avec les mots. C'est ça qui est important. Au lieu de quand tu sens que tu es fâché, ton volcan est très chargé, bien, tu prends le temps de dire avec les mots et tu vas voir, ça va aider. Ça va t'aider toi à te calmer, puis ça va aider tout le monde autour de toi. J'ai un petit jeu pour toi. J'ai pris mon super dé. Comme tout à l'heure, on a fait le coup de pied côté. Donc là, c'est ça qui va décider combien de coups de pied on va faire avant de toucher le sol. Je te donne un exemple, un coup de pratique. Oh, il est peut-être sorti de l'écran. Hein? Ce qui est tombé, c'est 5. Donc, je lève ma jambe sur une jambe. 1, 2, 3, 4, boum! 5 coups de pied avant de déposer. Donc, prépare-toi. On y va ensemble. Je prends le dé, je vais le faire rouler ici pour pas qu'il parte partout, pour qu'on puisse bien le voir. Tout le monde ensemble. Je roule. 3. Donc, prépare-toi. Quand je vais dire go, je vais compter les 3 coups de pied. Les coups de pied côté sans déposer. Est-ce que tu es prêt, oui, monsieur? Oui, monsieur, on y va ensemble. Go! 1, 2, 3. Ouh! Super! Tu es prêt à relever le défi pour un autre? Excellent. Prépare-toi. On roule. 6. Ça, c'est beaucoup. Je le fais avec toi parce que moi, j'aime ça faire des coups de pied. Tu te rappelles? Plus on pratique quelque chose, meilleur on devient. C'est pour ça qu'on continue de pratiquer notre karaté. Comme ça, quand on va revenir, on n'aura rien perdu, on va être encore meilleur qu'on était. Prépare-toi avec la jambe qui est à l'avant. On y va pour nos 6 kicks. Ça se peut que tu perdes l'équilibre. C'est pas plus grave que ça. L'important, c'est d'essayer. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut s'applaudir. C'est du beau boulot. Position. Et position d'écoute. Tu te rappelles la position d'écoute avec tes mains dans ton dos? Les yeux qui regardent l'instructeur à l'avant. Et les yeux, on apprend beaucoup juste en regardant les choses. J'ai mon dé. J'ai le goût de te lancer un défi. Souvent, quand on dit on va faire des push-ups, j'ai des amis qui disent
Oh non, pas les push-ups. Pourtant, les push-ups, c'est un exercice super pour faire travailler nos bras, travailler nos muscles. On fait la même chose qu'on a fait avec nos kicks, mais avec le dé. 4 push-ups, prépare-toi. Place les mains de chaque côté, garde ton corps droit. Et on y va. 1, 2, 3 et 4. Waouh, on peut s'applaudir. Beau travail, la gang. J'ai un autre petit jeu. Maintenant, regarde bien. C'est parti pour le dé. Maintenant, avec mon super blocker, j'ai un jeu où est-ce qu'on va pratiquer l'esquive. Si je viens frapper en bas de ici, tu vas devoir sauter. Et si je viens frapper sur ta tête avec mon marteau, il ne faut pas que tu restes là comme un clou. Tu dois te tasser sur le côté. Soit à gauche, soit à droite, c'est toi qui choisis. Donc, je te réexplique. Si je m'en viens à la tête, tu dois faire l'esquive. Si je m'en viens en bas, tu dois sauter le plus haut possible. Et si je viens au centre, tu dois soit te tasser un côté ou de l'autre côté. J'espère que tu as bien compris les consignes. Si tu as bien compris, tape 3 fois dans les mains. Parfait. Position, position, combat. Ha! Tu as les mains, prépare-toi. Je me prépare. On y va. 1, esquive. 2, saute. 3, tasse-toi. On y va une autre fois. Esquive. Saute. Tasse-toi. Tasse-toi. Saute. Saute. Esquive. Esquive. Tasse-toi! Tasse-toi! Maintenant, je prends mon bouclier ici. Prépare-toi. Tu fais les jabs directs le plus vite possible. 3, 2, 1. Go, c'est parti, les jabs directs. Sans arrêt, plus vite. Plus vite. Wow, wow, wow. Plus vite, plus vite. Ouh! Réussi. On peut s'applaudir. La gang, on a fait un super cours. On a bien bougé. Tu as donné le maximum d'énergie. Tu te rappelles, effort plus pratique égale succès. Exact. Position. On se revoit bientôt pour un autre cours. Bonne journée, la gang!